Alors Anne, les SCPI, c'est de l'immobilier, mais par rapport à de l'immobilier classique, type une location d'un appartement, c'est quoi les différences? Alors, sur de l'immobilier locatif en direct, déjà, ça va mobiliser une somme d'argent forcément plus conséquente. Besoin généralement de faire appel au crédit. On sait que les financements sont un peu délicats à obtenir en ce moment. Donc, déjà, ça, c'est plutôt un point qui va pêcher hein, pour l'immobilier locatif en direct. Et au-delà de ça, il y a énormément de normes à respecter, notamment les normes DPE, les normes environnementales sur cet immobilier qui vient ronger la rentabilité puisque ça nécessite évidemment beaucoup de travaux d'amélioration. Ça, c'est un budget qu'il faut vraiment prendre en considération dans le calcul du rendement. Donc aujourd'hui, les SCPI, ça va permettre déjà d'investir avec des sommes qui sont plus faibles, d'investir progressivement. Ça, c'est vraiment le point fort du placement. Et au-delà de ça, on a évidemment une gestion professionnelle. Donc ça permet aux investisseurs d'être complètement libres de tous ces stress. Et de tout ce temps hein, que demande l'entretien d'un bien en direct. D'accord, et en termes de performance, les SCPI aujourd'hui. Aujourd'hui, les SCPI, pour les bonnes SCPI, on va être aux alentours de 6-7% de rendement. Donc voilà, vis-à-vis de l'immobilier en direct, on est plutôt aux alentours de 3 ou 4%, on est sur un rendement bien plus performant, sans même parler de la fiscalité. Ok, merci.